Yo les devs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va donc continuer notre aventure avec Git et GitHub et on va apprendre à créer des branches. Alors, on l'a vu dans la vidéo précédente, le fonctionnement des branches avec, avec Git d'ordre global. Et donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ça en pratique. Alors, la première chose à faire, la première chose à connaître en fin de compte, c'est connaître le nombre de branches que l'on a sur notre machine, ou tout du moins sur notre projet, ou connaître du moins le nom des branches qui sont déjà disponibles. Alors on a déjà un petit peu vu euh, auparavant si tu fais un git branche et eh bien concrètement ça te donne la liste des branches que tu as euh, actuellement sur ton projet. Là ce que l'on a c'est qu'on a une branche qui s'appelle main. Alors, tu verras sur Internet, sur certains schémas, encore une fois je le répète, mais je préfère le répéter, euh, comme ça du coup ça, ça va rentrer dans la tête au fur et à mesure. Mais euh, tu as la possibilité aussi de voir d'autres branches principales euh, qui sont nommées comme euh, Master, d'accord Parce que Master c'était l'ancienne façon de nommer la branche principale, aujourd'hui ça a été changé euh, et notamment c'est devenu Main. Donc. Dans cette branche-là, on a déjà effectué quelques commits, hein, on l'a déjà vu euh, dans, les, euh, comment dire, dans, les, dans les vidéos précédentes, on a la possibilité d'avoir quelques commits et tous les commits sont rangés dans cette branche-là. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est tout simplement faire des modifications sur mon projet, mais je ne suis pas trop sûr de mes modifications, donc je vais faire un petit dérivé, je vais créer une nouvelle branche. Et par convention, ce qu'on a tendance à faire, ce qu'on a tendance à mettre en place, euh, c'est de créer une branche dérivée de master. Alors on l'a vu dans le schéma de la vidéo précédente, si tu ne l'as pas vu, Vidéo précédente, n'hésite pas à retourner voir la vidéo précédente parce que c'est quand même assez important. Euh, par défaut et par convention, par bonne pratique, euh, on va nommer euh, la première branche dérivée de main, on va la nommer Develop. D'où Nico Develop d'ailleurs, au passage, euh, parce que c'est un dérivé de la branche Master. Enfin bref, euh, donc on va faire un git checkout, donc ça c'est une commande qu'on n'a pas encore vue dans cette formation sur Git. On va faire un git checkout et pour créer une branche, on va faire un checkout-b. Et on va nommer notre branche. Notre branche, on va l'appeler Develop, et c'est quelque chose qui est conventionnel, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu vas trouver sur beaucoup de projets. Tu vas trouver la branche Master ou la branche Main pour la branche principale, et puis ensuite, tu vas avoir une branche Develop dans laquelle tout va être concentré. Je, ai, je te l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, donc encore une fois, retourne la voir si tu ne l'as pas vu, c'est important. Et notamment, euh, cette branche-là, on va la créer. Donc si je fais euh, entrer ça met Basculement vers la nouvelle branche Develop, et si tu regardes un petit peu au niveau de mon IDE, donc moi je suis sous VS Code mais tu vois que ici on a la branche develop et euh, si on vient à cliquer ici on voit qu'on a une branche main on voit qu'on a une branche euh, développe on voit qu'on a une branche origin main euh, qui est la branche à distance d'accord qui est sur euh, notre repo donc on voit qu'on a pas mal de branches alors tu peux créer les branches dans VS Code si tu veux moi je l'ai jamais fait très honnêtement je l'ai vraiment jamais fait j'utilise toujours les lignes de commande parce que c'est une habitude que j'ai prise euh, et c'est une habitude que je te conseille de prendre parce que bah, si demain tu veux évoluer sur différents serveurs différentes machines tu n'as pas besoin de chercher à droite et à gauche, l'outil qui va bien pour pouvoir essayer de gérer euh, tes branches, tu as un outil principal qui est le terminal et euh, c'est vraiment euh, l'outil euh, majeur que tu dois utiliser, à mon sens. Donc là, concrètement, si je fais un git branche à nouveau comme je l'ai fait uh, tout à l'heure ce que l'on voit c'est que maintenant j'ai une branche develop et j'ai une branche main tout à l'heure la branche main était en vert avec une petite étoile devant et maintenant c'est la branche develop qui est en vert avec une petite étoile devant ce que ça veut dire c'est tout simplement que eh bien git euh, toutes les modifications que tu vas faire les modifications vont se faire sur cette branche-là principalement d'accord donc là pour le coup euh, bah, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une petite modification en fin de compte dans notre code donc ce que je vais euh, tout simplement faire c'est rajouter une petite commande supplémentaire en disant euh, création d'une branche euh, et puis on va mettre notre petit code qui va bien que l'on vient de, de faire d'accord donc c'était du bash et ici ce sera un git check hop là check out Tiré B, donc le tiré B est important pour euh, bah, branche hein, tout simplement, et puis notamment ici ce sera nom underscore de la branche euh, que l'on veut créer, d'accord Donc, c'est comme ça qu'on crée euh, une nouvelle branche. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de rajouter euh, de, des informations. D'ailleurs, si tu regardes un petit peu en fonction des IDE, alors bien évidemment, ça va être en fonction des IDE. Là, concrètement, j'utilise encore une fois VS Code, euh, tu as des lignes qui viennent se rajouter. Donc, les lignes vertes, c'est de l'ajout de code. Euh, les lignes euh, qui sont en bleu, euh, c'est enfin, les lignes vertes, c'est de l'ajout la de, de nouvelles lignes de code, d'accord Et les lignes en bleu, c'est des modifications, comme par exemple euh, Rédiger un bon. Enfin, non, rédiger un commit. Bonne pratique. Donc, tu vois que là, concrètement, ma ligne était euh, bah, sans couleur avant, j'ai fait une modification, et euh, ici, on se retrouve avec une ligne bleue. Donc, une ligne bleue, c'est une modification d'une nouvelle ligne de code, et les lignes vertes, ou tout du moins la coloration verte sur le côté, euh, c'est euh, bien tout simplement de l'ajout. Alors, encore une fois, ça change en fonction des IDE, bien évidemment. Euh, si tu utilises, je ne sais pas, un TIG ou encore d'autres IDE euh, complètement différentes de VS Code, tu auras une couleur sensiblement différente, mais néanmoins, c'est intéressant de le savoir parce que ça te permet d'avoir un petit. Euh, un petit visuel assez rapide de ce qui est fait dans le code ou pas. Donc maintenant, si je reprends les différentes commandes qu'on a eues jusqu'à maintenant, notamment on connaissait un euh, git status qui nous permettait de savoir où en était notre projet. Ici on voit qu'on a eu une modification qui a été faite, malgré le fait qu'on ait ajouté des lignes, ça reste de la modification, d'accord Et donc on va pouvoir faire un git. Add. Et puis, notamment ici, on va ajouter notre README. Je fais euh, entrer. Si je fais un autre git status encore une fois, alors je répète ces commandes-là. Euh, plus tu vas les voir, plus euh, ça va être ancré dans ton, dans ton cerveau et euh, pour le coup, plus ça va être facile par la suite. Alors bien évidemment, ça peut être redondant euh, si euh, tu as déjà compris que git status ça permettait de connaître l'état de ton projet, mais je pense que c'est important ce que j'appelle la martothérapie. Euh, c'est tout simplement le fait de répéter toujours la même chose jusqu'à temps que ça soit quelque chose d'automatique euh, derrière pour toi. Donc là on a ajouté euh, notre élément et ici je vais mettre un petit commit donc je vais faire un petit commit donc git commit on va utiliser -m d'accord euh, parce que là on va juste ajouter un titre et euh, ajout de la création de branche encore une fois même si c'est un titre, euh, même si c'est pas quelque chose, une grosse modification, c'est toujours intéressant de mettre un bon titre, euh, quelque chose qui soit évocateur euh, dans le cadre de l'évolution de ton code. Parce que, encore une fois, je te le rappelle, euh, le fait de comiter son projet, de comiter son travail, de versionner son travail, c'est aussi de raconter l'histoire de l'évolution euh, au niveau de son travail. Et ça permet de connaître un petit peu tout ce qui s'est euh, fait. Je fais entrer, et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais faire un guide push, mais je vais pas faire un guide push origine main, je vais faire un guide push origine. D'ailleurs, si tu fais un guide push origin main, ça va pousser ta branche main. Et comme il n'y a pas une modification dedans, parce que pour l'instant on travaille sur la branche develop, hein, je te le rappelle, on est dans, les, dans develop, et eh bien euh, concrètement on va pousser la branche développe Si je fais entrer, donc ça va envoyer euh, mon travail sur le repository. Distant, alors je sais pas pourquoi ça prend autant de temps, mais bon, peu importe, ça va y arriver au bout d'un moment. Voilà, alors j'ai un petit son qui vient de s'ajouter, euh, notamment parce que ça a créé une nouvelle branche dans euh, GitHub. Là, tu vois que ici on me dit euh, que j'ai une nouvelle branche qui a été rajoutée euh, précédemment, et notamment on me demande de faire une pull request. Bon, on va oublier ça, par contre, là, ici tu vois que sur GitHub on est sur la branche main. Alors je te, je te décortique un petit peu l'interface en même temps parce que c'est important. Et si je fais un petit refresh, je vais rester euh, sur cette fameuse branche euh, main ici. Et notamment, si tu regardes bien la dernière modification qu'on a faite dans notre code, notamment création d'une branche, la dernière modification qu'on a faite, eh bien elle n'est pas existante. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas existante Parce qu'elle n'est pas existante sur la branche main d'un point de vue effectif. Et notamment, si je regarde ici et que je déroule le menu, tu vas dans Develop. On va cliquer dessus, ça va rafraîchir ma page. Ici, on va avoir un tree/slash/develop, euh, donc l'arbre dans notre arbre de branche, d'accord Arbre/branche, enfin voilà. Euh, et notamment, on va avoir la branche develop. Et si on descend un petit peu dans la branche develop, on a bien notre modification qui a été envoyée. Donc, on a deux versions de code différentes. On a la version de code main master principal et on a la version de code dans develop euh, qui est euh, et bien tout simplement poussée euh, en ligne qui est disponible euh, en ligne donc maintenant ce qu'il va falloir faire et eh bien c'est faire en sorte que notre code de développe d'accord que l'on vient de pousser euh, dans notre IDE euh, on puisse l'emmener euh, dans la branche master et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo